50 avant Jésus-Christ, la Gaule était couverte de forêts impénétrables où régnait un silence majestueux. Seuls les oiseaux... Oh! Oh, 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 oh. S'il vous plaît! S'il vous plaît! J'ai dit en 50 avant Jésus-Christ. Là, merci. En 50 avant Jésus-Christ, la Gaule était couverte de forêts impénétrables où régnait un silence majestueux. Jules César, après de rudes combats, avait réussi à conquérir le pays pour y apposer la marque triomphale de la civilisation romaine. Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Les habitants de ce village, mais est-il encore besoin de les présenter? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui ne les connaît pas? Ah bon? Bon, bah, ça va, baissez les mains. Je vais faire les présentations. Cette grande hutte est la demeure du chef incontesté du village, le redoutable Abra Raccourcix. Mimine, c'est moi qui dois être sur ce bouclier. Je suis le chef, après tout. Je dois aller faire les courses. Je te rendrai le bouclier après. En attendant, mets un peu d'ordre dans la maison. Un sanglier refuserait d'y vivre. En route, vous autres! Celui-ci, c'est Assurance Tourix, le barde. Son talent musical, pas toujours apprécié, et même parfois contesté d'une façon subtilement nuancée. Voici idée fixe, la mascotte du village et le grand ami d'Obélix, le livreur de menhirs. Rapporte idée fixe, allez mon chien, rapporte. Là. Je vais apprendre à rapporter des menhirs, Astérix. Comme ça, il pourra m'aider dans mon travail. Tu sais, Obélix, ce n'est pas que je mette en doute l'intelligence d'idée fixe, mais je me demande quelquefois s'il n'est pas un peu petit pour tes menhirs. Celui qui vient de parler avec tant de sagesse n'est autre qu'Astérix, le meilleur guerrier du village. Le célèbre Astérix, dont les aventures en vente dans les meilleures librairies, ont été traduites dans toutes les langues. Salute! Guten Tag! Hello! Hi! Konnichiwa! Glaucho! Skopulovko! Harmonish! Kokoriko! Mais nous direz-vous, comment ce petit village avec sa poignée de guerriers peut-il résister encore et toujours au puissant envahisseur romain? Eh bien, c'est grâce à la potion magique que prépare le druide Panoramix et qui donne une force surhumaine à ceux qui ont le bonheur de la boire. De la potion sont permanents chez toi. Tu sais que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Chic des Romains. Centurion, à quoi bon y aller encore une fois? Vous savez ce qui va nous arriver? Ces types-là sont pas humains. Peut-être, mais ce sont les ordres de Jules César. Qui sait, peut-être que cette fois-ci ce sera différent. Surveillez la porte. Armée carrée.
chômage. Engagez-vous. Rengagez-vous, qui disait. Ça n'a pas été très différent des autres fois, hein, Centurion? Non, pas tellement. Je vais vous dire une bonne chose. Post equitem cedet atracura. Ouais. Eh bien, ces types vont faire du latin une langue morte si Jules César continue à nous obliger à nous battre contre eux. Ils sont pas humains, ces types, Centurion. Ils sont pas humains. T'as raison. Ils sont pas humains. Le simple mortel ne pourrait pas résister à la Légion romaine. Bah voyons. Ce sont des dieux. On ne peut pas se battre contre les dieux. Je vais à Rome le dire à César. Les dieux sont contre nous. Des dieux? C'est quelques villageois complètement fous. Des dieux? Laisse-moi rire. Mais, César, il faut tout de même avouer que ces villageois tiennent ta puissance en échec. Je pense en effet que le moment est venu d'appréhender la situation d'une façon réaliste. Si les dieux sont contre nous, nous sommes perdus. Tout en cherchant à être constructif dans mon raisonnement, si je veux être totalement objectif, j'arrive tout de même à la conclusion suivante. On ne peut rien contre les dieux. Supposons même, dans le meilleur des cas, que nous n'ayons affaire qu'à des demi-dieux. Eh bien, même là, la situation est désespérée. Prenons un exemple concret, Hercule. Quelqu'un songerait-il à combattre Hercule? Hercule? Des dieux? Des demi-dieux? Je vous prouverai, moi, ô conseiller pusillanime, que ces imbéciles sont des mortels, très mortels même. Brutus, cesse de jouer avec ce couteau, tu finiras par blesser quelqu'un. Mais comment feras-tu pour nous prouver que ces Gaulois ne sont pas des dieux, ô César? Eh bien, j'irai les voir moi-même. Et je leur proposerai quelques épreuves que seuls les dieux pourraient réussir. Aïe! Si ce sont vraiment des dieux, je m'inclinerai. Mais si ce sont des hommes, et rien que des hommes, ils connaîtront la colère de César. Et par Jupiter, je vous le dis, ils finiront dans le ventre des lions du cirque. Venons me préparer un char et une escorte. Je crois qu'on a sonné, Mimine. Tu veux aller voir qui c'est? Hé! Jules César est devant le village et demande à te parler. Jules César? Le Jules César? Soi-même. Quoi? Un linge pour mes pieds, mes chaussures. Préviens tout le monde, Astérix. Faites avancer mon bouclier! Oui, oui, on arrive! Laissez-les-moi! Laissez-les-moi! Du calme, Obélix. Laisse parler notre chef. Allez, chef de village. Salut, Jules. Que viens-tu faire ici? Je viens te faire une proposition. La résistance que tu me poses porte ombrage à ma gloire. À Rome, on commence à se moquer de moi. On dit qu'une poignée de fous suffit à tenir en échec mes légions. Mais sois poli, hein, partout Tatis, parce que sinon... Mais d'autres disent que vous êtes des dieux. Des dieux? Des dieux? Des dieux? Des dieux? Des dieux. Si tel est le cas, je m'avouerai vaincu. Mais si vous n'êtes que des hommes, ce sera à vous de vous incliner devant ma puissance et de subir ma loi. Et comment veux-tu que nous te prouvions que mes copains et moi, nous sommes des dieux? Avez-vous entendu parler d'Hercule? Hercule Minus, le marchand d'enfants? Non, non. Le dieu Hercule. Il réalisa 12 travaux qui lui valurent d'être admis dans l'Olympe. Les dieux le reconnaissant pour un des leurs. 12 travaux? Quels travaux? Il a étouffé le lion de Némée, tué l'hydre de Lerne, pris vivant le sanglier d'Érimante, atteint à la course la biche au pied des reins, tué à coups de flèche les oiseaux du lac Stymphale, dompté le taureau de l'île de Crète, tué Diomède, vaincu les Amazones, nettoyé les écuries d'Augias, tué Gérion, enlevé les pommes d'or du jardin des Hespérides, et délivrer Thésée des enfers. Et pour prouver que nous sommes des dieux, tu veux que nous fassions toutes ces bêtises? Pas exactement, tout ça est un peu démodé. Je vous ai préparé, avec l'aide de mes conseillers, une nouvelle série d'épreuves. Seuls les dieux pourraient réussir toutes ces épreuves. Réussissez, et je dépose les armes devant vous.
Mais si vous en ratez une seule, il faudra vous soumettre. C'est d'accord ? Comment que c'est d'accord ? Bien. Ces travaux vous conduiront jusqu'à Rome. Caius Pupus ! Caius Pupus sera chargé de vous guider et de contrôler la bonne marche des épreuves. C'est un homme de confiance, parfaitement honnête. Donc, si vous réussissez, Rome se soumettra. Si vous ratez une seule épreuve, vous deviendrez les esclaves de Rome. Ça va, on a compris. Allez ! Ouais ! Oh, pauvre fou ! Vous croyez vraiment que César se soumettra, que vous deviendrez les maîtres de Rome ? Je me demande tout de même si on ne s'est pas un peu emballé. Bon, ta potion magique nous aidera, ô druide. Oui, on va rigoler par tout Atis. Bah, on va rigoler. Bon, Astérix, tu es le plus malin d'entre nous et toi, Obélix, le plus fort. Vous êtes certainement les seuls à pouvoir triompher. Que tout Atis t'entend. Voici une gourde pleine de potions magiques, Astérix. Fais-en bon usage, tu en auras besoin. Oh, oui, tu en auras besoin. Alors, on y va ? On y va. C'est drôle que notre barque n'ait pas eu envie de nous chanter quelque chose. Bien. Pour la première épreuve, suivez-moi, je vous prie. Voilà Mérinos. Il vient de Marathon. Il a battu tout le monde aux Jeux d'Olympie. Il est plus rapide que le cheval, plus rapide que le vent quand il souffle en tempête. L'un de vous devra le battre à la course. Et vas-y, toi, Astérix, t'es plus rapide que moi. Plus rapide que le cheval qui souffle en tempête. Parfait. Nous vous attendrons de l'autre côté de la forêt sur la ligne d'arrivée. Vous partirez quand tout le sable de ce sablier se sera écoulé. Alors, comme ça, tu es un champion olympique. C'est intéressant, ça. Nous nous faisons des jeux dans le village aussi. Mais évidemment, comme nous buvons tous de la potion magique, ce n'est pas très palpitant. Tu m'écoutes quand je parle? Bon, je disais que ce n'est pas très palpitant, parce qu'on arrive tous en même temps et on doit tirer le gagnant au sort. Remarque-moi, je n'ai pas besoin de boire de la potion magique pour courir. J'ai toujours été très rapide pour la course. Eh ben, tu n'es pas très causant, dis donc. Hey! Attends-moi! Je crois que je vais tout de même boire un petit coup de potion magique. L'avenir du village est en jeu après tout. Alors là, bravo pour le démarrage, tu as failli me surprendre. Je me suis un peu attardé dans la forêt parce que j'ai cueilli des champignons. Tu vois? J'aime bien cueillir les fleurs aussi. Regarde comme elles sont belles. Dis donc, si tu aimes les pommes, je connais un endroit là-bas où il y en a. C'est drôle. La course a amélioré son profil. Nous pouvons considérer la première épreuve comme réussie. Passons au travail suivant. Guerre
Hermès le Perse, le plus prodigieux lanceur de javelot que la terre ait porté. Son javelot traverse les mers et les océans. Votre deuxième épreuve, lancez le javelot plus loin que Kermès. Laisse-moi, Astérix, laisse-moi. Si tu veux, mais lance-le fort, hein, le plus fort possible. Tu vas voir. Réussi. Passons à la suivante. Vous allez affronter Cylindrique le Germain. Jamais aucun lutteur, aucun gladiateur n'a pu le vaincre. Cylindrique le Germain va entrer par là. Attendez-le ici. Regarde la taille de la porte. Il doit être gros, Cylindrique le Germain. Oh, plus ils sont gros, plus je les aime. C'est ça, Cylindrique le Germain. Ben, il est pas gros du tout. Oh, moi je les aime gros. Et si on lui donnait un peu de potion magique, Astérix. Bonjour. Lesquels de ces deux messieurs commencent? Ou les deux à la fois, peut-être, ya? Ben, laisse-le moi, comme ça je le finis tout de suite et puis on passe à l'épreuve suivante. Oui, mais méfie-toi. Il doit y avoir un truc. Il est drôlement habillé. Bouf, l'habit fait pas le druide. Ah, les gros messieurs d'abord, ya? Je suis pas gros. Bien, bien, goûte. Les gros monsieur d'abord. Bonjour. Ce genre de lutte. Je n'avais jamais vu ça avant. Ah, rien. J'ai appris en faisant un voyage. Un grand voyage très, très loin. Vous vouloir essayer, ya? Oh, ya. Oui, pardon. C'est très humble. Vous vous servez de la force de l'adversaire pour le vaincre. Plus l'adversaire il est fort, mieux ça marche. Très simple, très simple. Vous dites ça parce que vous êtes très fort. Nein, nein. Je vous assure. On va essayer. Vous prenez ma main. Vous mettez bien les pieds sur mon ventre et vous tirez en arrière. Ya, ya, très bien, good. Là, plus fort, ya. Comme ça? Ya, ya, sehr gut, ganz gut, vous avez compris. Plus fort, plus vite, ya. Parfait, très bien, good, schön, ya, 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 c'est fait. C'était bien, vraiment? Sehr gut, mais peut-être encore un peu mou, nein? Good. Maintenant que je suis aplati sur les tapis, vous profitez que je suis édoté. Et vous sautez sur moi, ya? Comme ça? Good, schön. Vous prenez mon bras comme ça. Und vous tirez. Vous faites un nœud. Ganz gut. L'autre bras maintenant. Ja, excellent. Und maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les jambes. La droite. Contrebas. La gauche. Fantastique! Et là, voyez-vous, je ne peux plus bouger! Vous savez cogner, monsieur!
Ils ont réussi les premières épreuves. Ce n'est pas mal, mais ça ne prouve rien. Rome n'est pas encore gauloise. Il ne s'agissait que de broutilles. Mais maintenant, il leur faudra affronter les prêtresses de l'île du plaisir. Je ne savais pas qu'il y avait un lac ici. Il vous faudra pourtant le traverser, c'est l'épreuve suivante. Moi, je vous attendrai de l'autre côté. Mais il est impensable que vous réussissiez. Il y a un bateau, là. Serviteur. C'est de la rigolade, cette épreuve. On va être tout de suite de l'autre côté. Soyons tout de même prudents. On ne sait jamais. Oh, l'eau est calme. Le bateau prend pas l'eau et... Mieux qu'assurance Tourix, hein? Soyez les bienvenus dans l'île du plaisir. Nous vous attendions. Venez. C'est très joli chez vous. Mais qui êtes-vous, madame? Que t'importe qui nous sommes, beau guerrier. Abandonne-toi au plaisir. Venez, nous allons vous faire visiter notre domaine.
connaissez maintenant, l'île dont vous n'allez plus jamais partir. Tous vos désirs seront jusqu'à la fin des temps des ordres pour nous. Que désires-tu, beau guerrier ? Manger. Manger ? Bah oui, quoi, j'ai faim. De courir comme ça en plein air, ça me donne faim. Tu te trouves dans l'île du plaisir, la grande prêtresse te demande ce que tu désires, et tu désires manger. Bah bien sûr, ça a plaisir de manger. Nous sommes bien dans l'île du plaisir, non ? Soit, soit. Nous avons du nectar et de l'ambroisie. Nectar et l'ambroisie ? Oh non ! Oh non ! Oh, pas de ces cochonneries ! Moi, je veux du sanglier. J'aime le sanglier, c'est bon. Nectar et l'ambroisie, des cochonneries ! Mais ce sont les mets préférés des dieux ! Vous êtes des dieux, oui ou non ? On est peut-être des dieux, mais nous, on mange du sanglier. Mais il n'y a pas de sanglier dans notre île. Il n'y a pas de sanglier ? Et vous voulez que je reste toujours dans cette île ? Ça va pas, non ? Dis donc, le gros, tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non ? Et pourquoi pas la vaisselle ? Le ménage ! Les pantoufles ! Allez, du vent ! Et comment que je m'en vais partout, Tatis ? Pas de sanglier ! Et on ose appeler ça l'île du plaisir ! Oh ! Allez, viens, Astérix ! C'est une gargote, ici. Laisse-le partir ! Nous te ferons connaître des plaisirs dignes de l'Olympe, beau guerrier. Astérix ! Maintenant, c'est là-dedans que ça se passe. Que devons-nous faire dans ce temps-là ? Il vous faudra soutenir l'insoutenable regard d'Iris, le magicien venu d'Égypte. Ah, Rose Iris et Parapis, regarde-moi. Regarde-moi bien. Tu es maintenant un chat, par Osiris et Parapis. Un chat, c'est ça, par Osiris et Parapis. Chat, c'est un joli matou, chat. Oui, madame. Maintenant, coucou, je panique. Par Osiris et Parapis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un oiseau. Oui, un oiseau. Par Osiris et Parapis, un oiseau. Tu as vu ? Oh oui, il va pleuvoir, il vole bon. Au suivant. De quoi s'agit-il ? Ah oui, je vous attendais. Lequel d'entre vous va se prêter à cette petite expérience ? C'est que j'ai un carnet de rendez-vous tellement chargé. Moi, je veux bien. Très bien, installons-nous là, je vous prie. Vous êtes prêts ? Je commence. Par Osiris et Parapis, regarde-moi. Comment faites-vous ça, le coup des yeux ? Silence ! Concentre-toi. Par Osiris et Parapis, regarde-moi, regarde-moi bien. Par Osiris et Parapis, tu es maintenant un... Un quoi au juste ? Un sanglier. Vous aimez bien le sanglier, vous les Gaulois. Allez, on recommence. Par Osiris et Parapis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Vous pouvez en allumer un seul à la fois ? Silence ! On se concentre. Où en étais-je ? Ah oui, un sanglier. Tu es un sanglier, m'entends-tu ? Un sanglier. La nuit, ça doit être pratique pour les roulis. Ah, c'est silence ! On recommence.
puis un sanglier, par un sopis et osaris, par pasoris et en papasi, et par opas à bureau. Et puis, chut, répète après moi. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. Et ça, je suis un sanglier. Un sanglier. Je suis un... Il m'a donné faim avec ses histoires de sangliers. D'autant plus qu'il est midi 12. Ah ben ça tombe bien. Pour l'épreuve suivante, il vous faudra manger tout le repas que vous a préparé Mannequin Fix, le cuisinier des titans. Aucun mortel n'est arrivé jusqu'au bout de ses repas. Il vous faudra pourtant l'achever jusqu'à la dernière miette. Bon appétit. Oh, enfin une épreuve intéressante. Elle est pour moi, hein? C'est indiscutable. Ah, je vous attendais. Allez, en place. On va commencer de suite le bazar. C'est quoi ça? Ça, j'ai inventé moi-même, vieux. C'est comme des pommes, mais ça pousse dans la terre. J'ai pas encore trouvé le nom. Les oies. C'est bon parce que c'est gras. Le troupeau de moutons. Ça donne une fée de loup. L'omelette des titans. Avec 8 douzaines de fées. Le pain de poisson. C'est pour une fois te reposer un peu. Le bœuf. Tu vas voir, ça fond dans la bouche. La vache. Un peu plus fade, mais plus délicat. Les veaux. Oui, hein, parce que séparer les familles, ça, il faut pas faire, hein. La montagne de caviar. Bah, attention, hein. Gros grain glissé. Et ici, le petit os qui va avec. Le chameau. Tu vas aimer ça. C'est drôlement farci, hein. De passer à la suite, l'éléphant aux olives. Il a tout mangé? Tout! Tout! Il ne me reste rien dans ma cuisine! Pas ça! Je dois fermer la boutique! T'as pas vu passer le cuisinier? Il m'a laissé tomber juste après les hors-d'œuvre. Je lis cette folie. Qui va voir la Corsix? À voir la Corsix, César! Que fais-tu là, habillé de cette façon ridicule par Belenos? Ce n'est pas ridicule. Il faut bien que je me prépare à être le maître de Rome. Le maître de Rome, voyez-vous ça? Ben oui. Quand les petits auront réussi toutes leurs épreuves et que nous les rejoindrons à Rome. À Rome? Parce que tu crois que Rome deviendra gauloise. Tu vends la peau du sanglier avant de l'avoir tué à bras raccourcis. Tu crois? Oui. Rentrez chez vous, vous autres. Oui, oui. Écartez-vous tous. Laissez-nous seuls. Tu crois que c'est pas gagné? César est puissant. Il a fait un pacte avec les forces des ténèbres. Les dieux seuls savent quels obstacles terribles devront encore franchir Astérix et Obélix.
faudra pénétrer dans l'antre de la bête. L'antre de la bête? Elle est comment, la bête? Je ne sais pas, personne n'est jamais ressorti de là. Heureux de vous avoir connu. On y va, Obélix? Bah oui, ça m'a l'air intéressant. Vous êtes combien? Deux. Si nous sommes à l'abri de la pluie. Excusez-moi, monsieur, la bête, c'est bien par là? Oh! Vous pourriez répondre quand je vous parle. Les gens sont pas polis de nos jours. Le vrai monstre. S'ils essayent de nous faire peur, c'est raté. Parce que nous, c'est bien connu, on a peur que d'une chose. C'est que le ciel nous tombe sur la tête. Et... Attention! C'était quoi, ça? Je ne sais pas, mais je commence à en avoir assez. Ça fait un moment que nous sommes là-dedans. D'ailleurs, je me demande l'heure qu'il est. Il est midi 12. Ne me dis pas que tu as encore faim. Ah, mais pourquoi j'aurais pas faim? À midi 12, j'ai toujours faim. Puis je mangerai n'importe quoi. Tu m'entends? N'importe quoi. Tais-toi, écoute. La bête. Veuillez excuser ma curiosité, mais la bête, elle était comment? Oh, elle était bonne. Garçon indigestif. Indigestif, hein? Tous ces gens sont bien étranges, partout à 10. Ils sortent tous de la maison qui rend fou. La maison qui rend fou? Oui. Il vous faudra d'ailleurs y entrer, c'est votre prochaine épreuve. Et que devons-nous y faire dans la maison qui rend fou? Oh, c'est simple. Vous devez obtenir un laissez-passer qui vous permettra d'accéder à l'épreuve suivante. Oh, il s'agit d'une simple formalité administrative. C'est ça. Une formalité administrative. Vous devez demander le laissez-passer à 38. Eh bien, allons-y, Obélix. Ouh.
qu'est-ce que c'est? Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculer une galère? Non, on vous a mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port. Hein? Non, nous ne voulons pas immatriculer une galère. Nous voulons le laissez-passer A38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville. C'est au bord de la mer, vous pouvez pas vous tromper. Mais nous ne voulons pas le port. Nous voulons le laissez-passer A38. Hein? Le laissez-passer A38. Ah, ne criez pas, hein? Ah, voilà des manières. Où croyez-vous par Jupiter? Adressez-vous au guichet, hein? Couloir de gauche, dernière porte à droite. Non, mais... Dernière porte à droite? Dernière porte à droite? Mais il n'y a pas de porte à droite. Ah, il a dû se tromper. Essayons cette porte en face. Qui vous a permis d'entrer dans mon bureau? Nous cherchons le guichet 1. Consultez le plan, au 6e étage, et refermez la porte. Quelle insolence! Ah, continuons, mademoiselle. Les étages. Continuons. Yves. Mais non, pas Yves. 4. Nous allons au 6e. Si, attends. Le guichet 1 est au rez-de-chaussée, couloir de droite en entrant. C'est à quel sujet? Et nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici, à côté? Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Consultez l'huissier. Mais cette... Le guichet 2! Je vous ai déjà dit que le port est au bord de la mer! Mais je ne veux pas le port! Je veux... Allons, allons, un peu de calme. Il y a des gens qui travaillent ici. Que désirent ces messieurs, mon ami? Je ne sais pas, monsieur le préfet. Il bredouille des choses incompréhensibles. Nous cherchons le guichet 2. Le guichet 2. Voyons, où l'ont-ils mis, celui-là? La dernière fois qu'on l'a vu, monsieur le préfet, il était au 3e étage, couloir B, porte 6, monsieur le préfet. Eh bien, vous voilà renseigné, monsieur. Vous voyez qu'il n'y a pas de raison de s'énerver. Oh, ça a l'air de s'arranger, hein? Je commence à me méfier. Alors, elle a acheté du tissu à un marchand phénicien parce qu'elle veut refaire son cubiculum. Elle va tapisser du marbre, quelle drôle d'idée. Oh, tu la connais, n'importe quoi pour épater les gens. Et notre bien, elle a même pas de quoi se payer un esclave. Mademoiselle... Elle a revendu son Iber sous prétexte qu'elle aimait mieux faire son ménage elle-même. Mais moi, je sais que la situation de son mari... Mademoiselle... Vous voyez pas que je suis occupée? Où en étais-je? La situation de son mari. Ah oui, ce pauvre Claudius. Tu sais qu'il avait une affaire de construction de viaduc. Ah, ma chère, son dernier viaduc. Mademoiselle! Oh, par Jupiter, ce que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous? Le laissez-passer A38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer A38? Et où trouverais-je le formulaire bleu? Guichet 1. Mais j'en viens. Oui, ma chère, le viaduc, au premier coup de vent, crac! Il est tombé? Il n'en reste que des ruines. Oh, ça fait joli dans le paysage, tiens. Elle est partie déjeuner. Mais vous pouvez vous adresser au guichet 35, demander à l'huissier. Vous commencez à m'ennuyer avec le port. Ce formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose. Le formulaire rose? Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, 2e étage, escalier B, couloir J. Pour
pour le formulaire jaune, guichet 7, 5e étage, escalier K, couloir W. Formulaire vert, guichet 14, 1er étage, escalier F, couloir D. Formulaire marron, guichet 56, 6e étage, escalier D, couloir I. Formulaire bleu, guichet 12, 2e étage, escalier Z, couloir H. Du calme, Obélix, du calme. Allons, du calme, hein. Nous n'en sortirons pas, Astérix. La potion magique peut pas nous aider ici. Nous deviendrons fous et nous serons les esclaves de César. Jamais de la vie. C'est vrai que la potion magique ne nous servirait de rien ici. Mais j'ai compris. Nous allons nous battre avec leurs propres armes. Tu vas voir. C'est bien ici pour le laisser passer A39. A38, vous voulez dire? Non, pour le laisser passer A38. Non. Il s'agit bien du laisser passer A39. Comme stipulé dans la nouvelle circulaire B65. La nouvelle circulaire B65? Attendez. Dis, tu connais, toi, la circulaire B65? Attends, la circulaire B65? Oui, concernant le laisser-passer A39. Ah non, pas du tout. Tu vois, il faudrait se renseigner au bureau du contrôleur de coordination des archives à venir. C'est au 5e étage, escalier Z, couloir U, je crois. Ah non, pas du tout. Alors tu vois, maintenant, ils sont au 2e étage, escalier H, couloir M. On y va? Oui, allons-y. Circulaire B65 concernant le laisser-passer A39. Ah non, c'est certainement le service des messages et nouvelles circulaires provisoires qui a mis nous prévenir. C'est au rez-de-chaussée, escalier 2, couloir U. Allons-y. Comment, une nouvelle circulaire et je ne suis pas prévenu? Allons voir le contrôleur général adjoint des infernaux transmises. C'est où? Nous allons consulter l'huissier. Continuez sans moi, mademoiselle. Que désirez-vous? Le laisser passer A38. Voilà. Et allez-vous-en. Il y a des gens qui travaillent ici. César, ils ont réussi, même cette épreuve-là. Hercule lui-même ne l'aurait pas fait. Mais je dois avouer qu'ils sont étonnants, mais ils ne sont pas encore à Rome. Je leur ai réservé quelques gâteries. Va, tu peux être tranquille. Par Mercure, ce n'est pas encore demain qu'un petit village gaulois deviendra la capitale du monde romain.
Nous pouvons continuer la répétition. Je crois au César que la répétition est finie. Voyons, qu'avons-nous maintenant? Ah oui, il vous faut franchir ce gouffre à l'aide de ce fil invisible que vous ne voyez pas là-bas. Nous devons passer sur ce fil. Pourquoi ne pas passer par en bas? Il y a une petite rivière, mais elle a l'air bien calme. Oui, mais voyez-vous, cette petite rivière est pleine de crocodiles. Il s'agit de crocodiles sacrés qui ont été offerts à César par le chef de l'État égyptien, la reine Cléopâtre. Ce sont des bêtes très féroces, extrêmement voraces. Oh, j'aime pas les crocodiles. J'y ai goûté, c'est filandreux. Allez, viens, Astérix. Tant pis, va falloir y aller. Tu viens. Vas-y, j'arrive. On y va. Escaladez cette montagne. Tout en haut, vous trouverez le vénérable du sommet. Eh bien, ça nous changera des gouffres. Et que devons-nous faire avec ce vénérable du sommet? Le vénérable du sommet vous proposera une énigme. À vous d'y répondre sans erreur. Si vous vous trompiez, les conséquences seraient funestes. En ce qui vous concerne, bien entendu. Et il pourrait pas descendre pour nous la poser, son énigme, votre bonhomme? Allons, ne sois pas paresseux. En route! Il y avoir une vue splendide d'ici. Dis, je l'ai fini, la montagne. Ah, c'est que nous sommes arrivés au sommet. Le vénérable ne doit pas être loin.
Vieil homme, tu es bien le vénérable du sommet. Oui, je suis le vénérable du sommet. Et vous, malheureux mortel, vous venez pour l'énigme? Eh bien, je suis content qu'on ne se soit pas trompé de montagne. Ose la vie de ton énigme, vénérable du sommet. Fais pas chaud ici, partout à Tis. Un instant! Savez-vous, insensé, que si vous ne me donnez pas la bonne réponse, vous serez aussitôt plongé dans les profondeurs infernales? Après être monté jusqu'ici? Oh ben non! Oh non, on n'a pas que ça à faire, moi! Alors, cette énigme... Soit, pauvre fou. Allons, suivez-moi. Vous devriez aller un peu au bord de la mer, ça vous fera du bien. Ô mortel présomptueux, l'un de vous, les yeux bandés, devra me dire... Mais il est encore temps de reculer. Va, pose ton énigme. L'un d'entre vous devra me dire quelle est la pile de linge qui a été lavée avec Olympe, la lessive des dieux. Celle-ci, elle est plus douce, plus souple. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces. Oh, les dieux, vous avez entendu? Oh, ce mortel a donné la bonne réponse. Vous avez entendu? Ouais, ouais, ça va, on a entendu. Ils sont terribles, ces deux petits. Il faut dire que c'est vrai. Olympe donne de la souplesse au linge et laisse les mains vachement douces. On avait compris. Oh, toi le militaire, hein? Silence, par moi. Mais alors, ô Jupiter, ces Gaulois qui réussissent tous ces travaux ont-ils leur place parmi nous? C'est que nous sommes déjà tellement serrés. Assez. On n'entre pas chez nous comme dans une taverne. Et pour tout vous dire, il commence à m'agacer. À m'agacer! Rome est là-bas, à l'horizon. Mais avant de pouvoir y entrer, vous devez passer la nuit sur cette plaine. Passer la nuit sur cette plaine? Oh, ça tombe bien. Je suis un peu fatigué par nos travaux. Et j'ai sommeil. Oui, mais je dois vous prévenir que tous ceux qui ont osé passer la nuit sur cette plaine sont morts de peur. On l'appelle d'ailleurs la plaine des trépassés. Alors bonne nuit, si j'ose m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que tu crois qui se passe sur cette plaine? Je ne sais pas et je m'en moque. Demain, nous devons être en forme pour entrer dans Rome et connaître notre dernière épreuve. Alors, allons-nous coucher. Inutile d'aller plus loin. Ici, nous serons bien. Oui. Bonne nuit, Abélix. Bonne nuit, Astérix. Chic, des Romains. Oh, des Romains pour moi tout seul. En avant! Chut, faites pas de bruit, vous allez réveiller Astérix. Ha ha ha.
En triangle. En queue. En carreau. En pique. En trèfle. En vol. Ne te fatigue pas, pauvre mortel. Nous sommes des revenants, des fantômes qui hantent ce champ de bataille maudit où nous avons été massacrés à cause de la folie des hommes. Et nous nous vengeons en faisant mourir de peur ceux qui osent s'aventurer la nuit sur cette plaine. Oh, c'est pas un peu fini, non? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Bah, te fâche pas, Astérix. Ce sont des hanteurs qui ont été massacrés par des hommes fous en revenant de je ne sais où. Non, ce n'est pas ça du tout. Permettez, voilà, en réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas! Vous savez l'heure qu'il est? Oui, non, mais écoutez, nous... C'est vous qui allez m'écouter! Nous avons couru, nous avons lancé le javelot, nous nous sommes battus, nous avons affronté des prêtresses, des magiciens, des cuisiniers, des bêtes, des fonctionnaires, des crocodiles, des gâteux, mais nous n'avons pas dormi! Alors, si vous voulez revenir, revenez demain! Allez, viens, Obélix! Oh! Ah, je regrette, hein, excusez-nous, mais... Obélix! Viens! Oui, mais enfin, écoutez, nous sommes des fantômes. Silence! Ah debout! Vous êtes attendu. Où sommes-nous? Vous êtes à Rome, devant le palais de Jules César. Jules César qui vous attend. Ou bien il se passe des choses que je comprends pas. Ou bien ils construisent drôlement vite, les Romains. Oh, quelle importance! Allons, militaire! Conduis-nous chez ton maître. Vous voici donc à Rome, Gaulois. Comme tu vois, Jules. Caius Pupus m'a rendu compte de votre voyage. Oui, ô César. Ils ont exécuté tous les travaux, franchi tous les obstacles, réussi toutes les épreuves. C'est indéniable, Gaulois, les dieux vous ont été favorables. Mais votre chance s'arrête ici, car il est impensable que vous deveniez les maîtres de Rome. Le cirque sera votre dernière épreuve. Vous y serez massacrés avec tous les habitants de votre village. Ah, nous y sommes, les enfants! C'est donc ça, Rome. Franchement, je suis un peu déçu. Je crois que le moment est venu de chanter quelque chose. H. Canonique! Ave César! Les Gaulois demandent audience. Les petits, ils sont là! Les voilà! Ils sont tous venus! Idée fixe! Tous anéantis pour l'amusement de mon peuple. Et plus rien, non, plus rien ne portera ombrage à ma gloire. Allez! Oui, messieurs. Ça
me rappelle les arènes de Lutèce. Justement, tout à côté des arènes, il y a une petite auberge où ils vous servent de ces ragoûts de sanglier. Je pense qu'ils mettent dedans. Moi, je connais une taverne d'Antipolis où ils vous donnent pour deux sesterces, des huîtres, une oie rôtie. Voyons, voyons, c'est laquelle? Ça, c'est celle des Ressières. Ça, c'est celle des Myrmillons. Ça, ben ça, c'est celle de la grosse Fluvia. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Ça, c'est celle des Lions. Bon, ben, laissez-moi faire, je vais vous donner un coup de main. Vous êtes déjà allé à Condat? Ils ont un petit vin qui a un goût de pierre à catapulte. C'est tout à tisse en culotte de velours, si j'ose m'exprimer ainsi. César vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a comme monde? Venez, les enfants, c'est pareil. C'est la potion magique, ça. Mais moi, j'y ai pas droit. Un propriétaire du char stationné devant les thermes est prié de se présenter d'urgence à l'entrée du cirque. Alors, tu as suivi mes instructions? Oui, oh César. Pour commencer, ces malheureux Gaulois devront affronter nos plus féroces gladiateurs. Après, pour les survivants, s'il y en a, nous lancerons les fauves. Nous avons des lions, des tigres, des panthères, des ours et même des éléphants. Oh, c'est une très belle affiche. Le public sera content. Bien, bien. Que l'on fasse entrer les gladiateurs. Préparez-vous, les enfants, je crois que ça va être à nous. Bon, alors j'y vais le premier et vous me suivez tous. En ordre, je vous prie. Il y a des gens là-bas qui vont nous regarder. Alors un peu de dignité. Et pourquoi tu vas entrer le premier? Parce que je suis le chef. Voilà pourquoi je vais entrer le premier. Ah oui, mais nous, on a fait tout le travail. Pas vrai, Astérix? Raison de plus. Laissez un peu s'amuser les autres. C'est vrai, c'est toujours les mêmes qui rigolent. Tu vas me laisser passer, dis. Allez te coucher, imbécile. C'est qui l'imbécile? Laissez-moi penser. Mon poing. Tu l'as vu, mon poing? Et mon pied, tu l'as vu, mon pied? Alors nous, on se donne tout le mal et puis c'est crétin. Crétin toi-même. Obèse. Oh, Astérix, il m'a dit obèse. Que l'on fasse entrer les Gaulois. Laissez-les-moi, laissez-les-moi. Non, monsieur, non, monsieur, il n'y a pas de raison. Tu veux ma main sur la figure? Essaie seulement. Je me gênerai. Eh ben, essaie. Non, mais essaie. Oh, et puis zut. Passez-moi un. Hello. Hello. J'ai gagné. T'as gagné quoi? Ça. À moi. Ah!
suis bien content. Ah oui, attrape. Envoyez, envoyez. Qui c'est que c'est qui m'a jeté cette tarte? Dites les petits enfants, vous savez vu qui c'est que c'est? Les petits enfants, qui c'est que c'est? Les fauves, que l'on fasse entrer les fauves. Les enfants sont heureux. Ils ont tué le cirque. Arrêtez! Arrêtez! Gaulois! Vous avez triomphé de toutes les épreuves. Vous avez exécuté avec succès les 12 travaux que je vous avais imposés. Vous êtes dans des dieux. Et on ne peut pas lutter contre des dieux. Vous êtes nos maîtres. Je dépose mon sort et celui de Rome entre vos mains. La magnanimité des Gaulois a permis à Jules César de se retirer dans une tranquille villa pour y couler des jours paisibles, loin des soucis et des périls du pouvoir. Jules, à table, c'est correct. Tu es une cuisinière exceptionnelle. Oh, ma Cléopâtre. Quant à l'honnête Caius Pupus, il a choisi lui-même la récompense de ses bons et loyaux services. Et c'est enfin en Gaule, dans un petit village devenu le centre de l'univers, que nos amis réunis célèbrent leur victoire par un festin sous les étoiles. C'est vrai que nous sommes devenus les maîtres de Rome. Oh, tu sais, ce n'est qu'un dessin animé après tout. Tout est permis. Tout est permis.